Salut à tous! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du massage ayurvédique que je propose, donc qui est massage Abhyanga, c'est une autre appellation. Donc du coup, moi j'utilise des pochons. Dedans, il y a du riz rond pour que ça ne vous pique pas. Il y a des épices, on a de la pèse d'eau, du basilic, on a de la passiflore, curcuma, on a du romarin. Donc c'est mixé très très finement et c'est tellement fin que une fois qu'il y a de l'huile chaude, ça diffuse ces épices dans votre corps et c'est tellement fin que ça rentre dans votre système sanguin et que ça vient aider votre corps directement à la source quoi, pour vous nourrir au mieux. Donc c'est incroyable. Il y a une odeur envoûtante, j'utilise des synergies d'huile essentielle pour chaque dosha, c'est personnalisé. J'utilise des huiles qui sont très très qualitatives, je travaille avec un laboratoire qui fait que des produits vraiment bienfaisants pour la peau, pour le corps. C'est encore un massage qui va mettre en avant la circulation énergétique dans le corps, la réharmonisation énergétique, qui va travailler sur les chakras, sur les méridiens. Je dis méridiens, mais en même temps, je devrais dire les nadis, parce que les nadis, c'est l'équivalent des méridiens dans la médecine traditionnelle indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Et donc, dans cette technique, je vais vous demander de remplir un questionnaire, déjà un questionnaire de santé au préalable pour connaître votre situation de santé, pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication au massage. Et un deuxième questionnaire qui consiste à savoir quel est votre dosha qui est déséquilibré dans votre corps. Donc, il faut savoir que, en tant qu'être humain, on a tous trois doshas. Les doshas, ce sont des profils métaboliques. Au niveau de votre physiologie, il y a des critères particuliers. Dans cette science médicinale-là, c'est comme ça que c'est distribué, que c'est réparti. Et donc, il y a Vata, Pitta et Kapha. Je sais jamais si on dit Kapha ou Kappa. Désolée si je prononce mal. Et du coup, en fonction de votre résultat à ce questionnaire, on saura si c'est tel ou tel dosha qui est déséquilibré et avec le massage et le protocole que j'utilise sur mesure, on va essayer de le réguler pour qu'il soit un peu plus équilibré. Pendant ce massage, vous allez pouvoir apprécier le côté drainant, le côté doux, parce que je mélange les mouvements avec les pochons, donc ça c'est le côté drainant, le côté détoxifiant, le côté tonique, le côté assez vif et aussi resculptant. Et le côté doux, parce que à un moment donné, je les dépose, le temps que ça se réchauffe. Et ensuite, moi, je reprends mon protocole à l'aide des mains. Et là, c'est hyper doux, hyper enveloppant, hyper profond. Donc, c'est très voluptueux comme massage. Et ça dure 1h30. À la fin, je vous demanderai de vous essuyer et de ne pas vous laver. Parce que vous avez envie de garder toutes les propriétés des huiles et des épices sur la peau. Et si vous avez envie de vous laver en rentrant, bah vous vous lavez en rentrant. Mais vraiment, c'est bien de garder les bienfaits sur vous, quelques heures au moins. Et sur ce massage, il y a une partie délicieuse sur le visage, où il y a vraiment ce côté reliftant un peu, et le côté où on vient dynamiser toutes ces parties du corps sur le visage très sensibles. Les zones musculaires, enfin des fois on a des tensions dans les mâchoires ou dans les joues, on n'a pas idée, donc on vient décontracter toute cette partie-là, leur donner de la douceur, de l'amour, avec ses odeurs, et vraiment c'est un ensemble de sensations, tous les sens confondus, qui permet un voyage qui vous fait décoller, qui permet de lâcher prise totalement. J'ai hâte de vous y emmener. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous faire masser dans mon cabinet, vous trouverez les adresses sur mon site internet que je mets en barre de description. Vous pouvez également offrir un massage à vos amis en faisant un bon cadeau, c'est possible. Vous pouvez partager cette vidéo à vos proches, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos que je vais poster. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.